L'opération dons associations va se dérouler entre le 1er avril et le 30 juin. Le principe est simple. À chaque fois qu'un client va verser 1 000 euros sur son contrat d'assurance vie, du 1er avril au 30 juin, Crédit Agricole Assurance reversera à ces associations que nous aurons sélectionnées sur le territoire un minimum de dons de 10 euros. Ce sont des associations que nous choisissons, qui sont sur notre territoire et qui ont une utilité publique. En 2022, nous avons collecté plus de 11 000 euros de dons que nous avons reversés à deux associations, Andilac Montagne et le fonds de dotation Initiative Change. L'association Andilac à Montagne a pour but de favoriser l'accès des personnes à mobilité réduite aux grands espaces naturels par l'utilisation de matériel tout-terrain adapté. Cette chance d'être mobile, Andilac à Montagne veut l'offrir au maximum de bénéficiaires en mettant gratuitement à disposition ce type de matériel. Effectivement, en 2022, le Crédit Agricole nous a fait un don de 5 525 euros, qui nous a servi d'une part à compléter l'achat d'un matériel et enfin nous a été très utile pour l'organisation et la réussite de notre événement de septembre, le Randibac Festival. Je représente le fonds de dotation Initiative Change, qui est une association qui a pour vocation de collecter des fonds privés pour appuyer les initiatives des professionnels de santé du centre hospitalier Annecy-Genevois. Alors nous avons le plaisir de recevoir 5 525 euros de dons de la part du Crédit Agricole et de Prédica, et c'est vraiment pour nous quelque chose d'important puisqu'ils sont utilisés pour les patients dans le domaine de la chirurgie ORL en matière de reconstruction mandibulaire. Et donc en cela, il faut effectivement remercier Prédica et le Crédit Agricole de nous accompagner dans cette démarche importante. Les enjeux de ce dispositif sont multiples. Ce dispositif va permettre de répondre aux attentes de nos clients qui veulent donner du sens à leur épargne. Ce dispositif s'inscrit tout à fait dans le cadre de la raison d'être du groupe Crédit Agricole, à savoir agir tous les jours dans l'intérêt de nos clients et de la société. Au titre de l'année 2023, deux associations ont été retenues par la Caisse régionale des Savoies pour être récompensées. Le Sycomore, qui accueille dans ses foyers des personnes en situation de handicap mental. L'autre association qui a été retenue est l'association des familles de traumatisés crâniens et de cérébraux lésés. Donc sa vocation, comme son nom l'indique, c'est de défendre l'ensemble des intérêts matériels et moraux des victimes de traumatismes crâniens. Et l'association défend les victimes, mais aussi leurs familles.